que le Covid tarde à passer. Quand on le passe en confinement, avec des si et des peut-être, il sera encore là pour longtemps. La plupart peuvent pas travailler et doivent rester enfermés. La plupart peuvent pas travailler et restent seuls à s'ennuyer. Il y a les médecins, les infirmières, et il y a aussi les préposés qui ont déjà le ventre à terre dans tous les CHSLD. Mais c'est pas facile de les remplacer, car il faut savoir comment faire, donner les soins appropriés, sans faire de tort, sans se blesser. Madame Beckham n'en mène pas long, voudrait une longueur d'avance, les militaires entrent dans la danse. Facile de s'ajuster à une structure qui est déjà débile, mais pas facile de modifier des habitudes enracinées. C'est du dedans, c'est du dehors, un qui délègue, l'autre qui se dégage, lui c'est grand temps de faire le ménage. En attendant, il y a des ça prend quelqu'un sur le terrain, la machine marchera pas toute seule. Ça prend quelqu'un sur le terrain, allez-vous l'embaucher enfin? Il y a une liste de gens qui veulent contribuer aux soins des vieux, qui attendent l'appel, sont pas les seuls. Deux semaines ou plus, c'est pas sérieux. Ça prend quelqu'un qui mène le train, quelqu'un qui puisse coordonner pour chaque lieu selon les besoins. Allez-vous l'embaucher enfin?